Sentiment de déception aujourd'hui après cette défaite? Oui, une grosse déception parce qu'on a vu, on avait la mise sur le match, on s'est créé des situations intéressantes qu'on n'a pas concrétisées par manque de réalisme, peut-être même d'anticipation sur les erreurs adverses, même si on a eu face à nous un gardien qui a fait 2 ou 3 arrêts extraordinaires. Et puis donc, n'ayant pas arrivé à concrétiser notre domination, voilà, on prend un pénalty malheureux à la 73e, mais on peut appeler ça comme un manque de réalisme. Alors aujourd'hui, vous pouvez gagner au moins 2-0 à la mi-temps quand même. Hein. Vous avez quand même 2-3 belles actions sur toute la première mi-temps. Oui, non mais le contenu que je disais auparavant, il était bon. Mais dominer, c'est pas gagner. Un match, c'est on le discute pour le gagner. Donc à partir de là, si on domine et qu'on a des occasions, il faut les mettre au fond. Et pas permettre à l'adversaire de se créer une occasion, par exemple sur un corner ou un mauvais renvoi de corner. Si le penalty, c'est un mauvais renvoi de corner, et ça, c'est du réalisme pur et dur. Eh bien, merci. Boisson Thibault pour les infos de sport, chaque coach te verse. Alors, quel est votre sentiment après cette victoire face à Sochaux? Ben, forcément, on est content du résultat. Ça a été difficile, hein, un match serré, on a eu des situations dangereuses à chaque fois. Notre équipe a fait preuve de solidarité défensive pour pouvoir écarter le danger. Le gardien aussi a fait quelques arrêts décisifs. Après nous, on avait aussi 2-3 situations de contre-attaque et de projection rapide vers l'avant qu'on aurait pu mieux négocier en première mi-temps, même en deuxième. Et puis après, sur un fait de jeu, main, il s'y fait pénalty. Donc voilà, notre attaquant n'a pas tremblé et puis après on a fait le deux ronds pour ramener les 4 points, donc on est satisfait du résultat. Après voilà, je suis content pour les joueurs parce que c'est déjà la récompense de leur travail pendant la préparation. Oui, parce qu'en première mi-temps, Sochaux a quand même 2 ou 3 belles occasions quand même. Oui, bien sûr, en première mi-temps, c'était le rythme de l'équipe de Sochaux était relativement élevé. Du coup, on avait des difficultés pour sortir proprement le ballon. On avait des difficultés à le conserver, donc forcément on avait des vagues sociales face à nous. On a pu bien résister et puis avec beaucoup d'abnégation, on a pu justement ne pas prendre de but. Et sur un fait de jeu, je répète, main, en tout cas il y a main. Après l'arbitre parfois il siffle, il siffle pas. Elle a sifflé, ça nous a souri, donc tant mieux pour nous. Eh bien merci et puis merci. Bonne fin de saison. Merci. Boisson Thibault pour les infos du sport, je suis avec le président de Saint-Louis. Alors, président, un président heureux ce soir? Un plus beau cadeau que ça, ils n'auraient pas pu me faire. Hein. Je viens d'ailleurs féliciter tout le groupe. Et puis, pour moi, c'est mon cadeau de rentrer au poste de président. Hein. Mieux, ils ne pouvaient pas faire. Alors bon, comment vous voyez cette saison, cette année? Oh là, c'est une très bonne question. Si les matchs se suivent et se ressemblent, là c'est bien, mais je pense qu'on aura d'autres surprises encore. La saison est encore longue. Hein.
Alors, la semaine prochaine, vous recevez qui, Saint-Louis? La semaine prochaine, c'est, comment il s'appelle nouveau, le club, Frédéric Jouly, là. Chasselet, c'est ça? Ouais. Eh bien, bonne chance pour cette saison, Président. Voilà, merci beaucoup.